Solide, frère. C'est plus qu'un type de spectacle, c'est une mentalité, quoi. C'est un mantra. Et de toute façon, mec, solide, ça pose à n'importe qui. Hein. Mm-hmm. Surtout ce que je disais à Denise, à d'autres gens, je dis, mais qui ont, en fait, ils ont peur de se taper. Ils ont peur de perdre, ils ont peur. C'est même pas, c'est même pas le résultat qui compte, là, en l'occurrence. C'est la bataille. C'est la bataille, hein. C'est le fait de se taper qui compte. C'est ce qui fera de toi quelqu'un de différent. Tu vois ce que je veux dire? C'est au moins de taper. Même que tu perds pas. Prove your point, comme ils disent. C'est-à-dire que t'es allé, t'as fait ce qui était dans ton cœur. Si t'es pas capable à un moment donné de dire non à quelqu'un, ça veut dire que, et d'en subir les conséquences, que ce soit positif ou négatif, ça veut dire que toute ta vie va te marcher dessus. Si tu peux jamais dire à quelqu'un, excuse-moi, je t'aime bien. Mais là, c'est non. Si t'es pas capable de faire ça, tu passeras ta vie à vivre la vie qu'on t'a indiqué de vivre, du coup. Tu feras jamais ce que tu veux, toi. Suivre les autres. Ben voilà. Le chemin des autres. Ben voilà. Moi, ouais, je pense pas que la joie se trouve là. Hein. Non. J'ai fait 2-3 simulations, frérot. C'est des gens, là, qui ont 45 ans. Je me bats, arrêtez. Voilà, tu vois. Philippe, il a craqué un matin, il a regardé le baseball. Et... Yeah. Tu sais, c'est les mecs, ça, ils font un bilan sur les 47 premières années. Mais putain, mec, qu'est-ce que tu t'es foutu, moi? Qu'est-ce que tu t'es foutu? Sa mère, mais t'aimes pas, Philippe? Ta gueule! Me parle plus, toi! Je t'ai jamais aimé! Comment ça passe? Mais je te reconnais plus! Tu me reconnais plus! C'est mon vrai visage, connasse! Le mec, il m'a en couille! Allez, je m'en vais en vacances maintenant! Allez, ciao! Je pars en Bolivie avec la secrétaire parce qu'elle, elle suce, Philippine, tu comprends? Elle suce! Mais tu m'as jamais dit que c'était important à ce point-là pour toi, la fellation? Mais rien pour deviner, on dit!